Vendredi 11 août, au gymnase de Pierret, un match de gala entre Chambéry-Savoie-Mont-Blanc et l'équipe de Grenoble-Saint-Martin-d'Air, GUC Handball. Ambiance assurée pour les supporters de Chambéry et les locaux. Match de haut niveau et engagé, avec des arrêts spectaculaires, des courses, des chutes, des buts. Enfin, tout pour combler les 300 spectateurs de la salle. Pour la petite histoire, Chambéry l'emporte sur le score de 31 à 18. On retrouve le pivot de l'équipe de Chambéry, Benjamin Gilles. C'est toujours difficile de faire un premier match de préparation après 10 jours de stage avec pas mal d'intensité et beaucoup de travail. Donc c'est bien d'avoir réussi à rester un petit peu sérieux et engagé. Donc on va dire que je crois qu'il n'y a pas eu de blessés, donc c'est une très bonne chose, malgré la fatigue. Et que c'est de bon augure, ça a été plutôt sérieux tout au long du match. Donc j'espère que ça va continuer, qu'on va continuer à travailler toute cette préparation et qu'on sera prêt pour la reprise en septembre. Une rencontre de préparation pour leur prochaine saison 2017-2018. Certes, mais pas seulement. Ils sont venus aussi pour jouer pour la petite Lilou âgée de 4 ans, atteinte d'une leucémie aiguë. L'association On vous souhaite tout le bonheur du monde, en aide aux enfants malades ou handicapés, était présente pour organiser une tombola afin de récolter des fonds en soutien à la fillette et à sa maman. Vous aussi, vous pouvez aider l'association et contacter Sandrine et Philippe Villard au 04 79 64 38 19.